Tony Yoka. Encore une? Bah alors, pour toi, les défaites, c'est comme les danettes. Jamais 203, et puis pour la quatrième, on remet ça? Oh, mis à part la rigolade quand même. Tony Yoka, je t'ai entendu dans une interview, à l'époque, t'avais tapé deux ou trois plombiers. T'allais taper Fury, Joshua. La même semaine, sans te décoiffer. Ah, t'étais un killer. Hein. Ah, depuis, on voit les résultats. Hein. Félicitations à Riyad Mehri. Franchement, Riyad Mehri, s'il était mieux pris, t'aurais mis KO. Ah ouais, parce que t'étais parfait pour l'overhand, tu vois. Ah ouais, ton menton, il est pas fiable, Tony. Et puis en plus, t'es parti faire du dopage intensif, là, au même endroit que Tony, au même endroit que Anthony Joshua. Mais ils t'ont interrompu au milieu du traitement. T'es revenu, t'as pris la sanction, mais le dopage a pas marché. Merde! Là, t'es retourné faire des pompes et des tractions, maintenant sous contrôle. Et on voit le résultat, c'est pas le même bail. Déjà, quand t'es motivé, c'est pas terrible. Mais là, quand t'es pas motivé, c'est encore moins terrible. Tony Yoka, il y a un truc, dans la boxe professionnelle, c'est la fin, tu vois. L'envie de gagner, tu vois. Toi, t'as pas ça. Toi, t'aimes bien marquer des points, faire le chaud lapin. Mais gros, t'as pas la technique pour ça. Je veux dire, il y a un moment, t'as le syndrome de Cartefion. T'es pas capable de faire trois pas en arrière sans t'emmêler les pinceaux. Eh ouais. Donc les mecs le savent. Donc ils cassent la distance. Donc tu bouges tes bras de crevette. Et t'encaisses des punchs en pleine tête. Aïe, 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 aïe. Sacré Tony Yoka. Une dédicace à toutes tes groupies, là. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Tu nous as dit que t'as fait ce qu'il fallait pour gagner. Non, mais non. Regarde le combat, gros. Regarde le combat. Moi, je l'ai pas vu. Mais je sais que t'as perdu. En tous les cas, big up à toutes tes groupies, là. Et puis surtout, big up à Dato Boxing. Dato Boxing, c'est le meilleur. Dato Boxing, regardez-le. Dato Boxing, depuis qu'il est petit, sa daronne, elle le bifle avec un Scrabble. Je vous dis, Dato Boxing, au niveau des traumas crâniens, si vous voulez des leçons, c'est faut l'écouter, lui. Putain. Waouh. J'ai eu du mal, hein. J'ai eu du mal. Mais bon, tout ce que je voulais savoir, c'était à quel moment Tony Yoka tombait. Bon, cette fois-ci, il n'est pas tombé. Dommage. Et c'est pour ça que Riyad Mehri a dit qu'il aurait pu mieux faire. Parce qu'il sait très bien qu'il avait de quoi chaoter Monsieur Tony Yoka. Parce que à Takam, il lui manquait que le punch pour l'envoyer à l'hôpital. Et justement, une chose que Riyad Mehri possède, c'est bien le punch. Donc, Tony Yoka l'a échappé belle. Mais bon, pas sans y laisser ses restants de carrière. Tu peux nous faire un super méga fight avec Cartefion. Et vous pouvez faire un petit tournoi avec Badr Hari. Ah, ça peut être sympathique. Ah, aux Émirats, avec les mêmes règles qu'au catch. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, pour les titres mondiaux de boxe, laisse ça à ceux qui boxent. Allez, big up la famille et toutes les groupies de Tony Yoka, Wally Bichtroumpf, Baraka Fourtou, big up à toute la CAF Comedy Club et à toute la France. Big up à vous. Amusez-vous bien et prenez soin de vous.